Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les spectateurs de la cérémonie de Miss Nationale en colère. Une ancienne candidate de Secret Story fait des révélations sur les coulisses de l'émission. Et les antennes de France Info et France Inter perturbées par une alerte incendie. Et on commence avec une nouvelle polémique à la cérémonie de Miss Nationale. Une cérémonie distincte, on le rappelle, de Miss France et de l'autre concours de Miss Prestige Nationale de Geneviève de Fontenay. On vous racontait hier la rébellion des candidates qui ont accusé les organisateurs de trucage. Mais hier, la Voix du Nord a également révélé le mécontentement des spectateurs qui ont assisté à la cérémonie. Ils s'attendaient à voir Christina Cordula, la relookeuse d'M6. Sa venue avait été annoncée par les organisateurs, mais Christina n'était pas là. Des spectateurs ont donc demandé le remboursement de leur place. De nombreuses insultes ont été échangées entre le public et les organisateurs. Ils affirment pourtant que Christina Cordula devait venir. Elle a annulé sa présence 2 jours avant la cérémonie, malgré un simple accord verbal. De son côté, l'animatrice d'M6 a réagi sur son compte Twitter. « Je n'étais pas au courant de l'élection de Miss Nationale. Je n'ai jamais confirmé quoi que ce soit. » Et Geneviève de Fontenay a également réagi au fiasco de cette élection. Effectivement, et d'ailleurs Geneviève balance sur son concurrent. Elle déclare à VSD que Michel Le Parmentier, le président du comité Miss Nationale, est l'être le plus ignoble qu'elle connaisse, tout dans la demi-mesure. Geneviève de Fontenay en profite aussi pour tacler l'animateur de la cérémonie, Julien Lepers, qu'elle accuse de traîtrise. Selon elle, il ne va pas sortir grandi de l'opération. Et puis une ancienne candidate de Secret Story balance sur les coulisses de l'émission. Meja Maltais, candidate de la saison 3 en 2009, affirme à Voici qu'au fil des semaines, les forces des candidats de Secret Story s'amenuisent, ce qui fait sortir les drames. La jeune femme révèle surtout que la production proposait des médicaments aux candidats pour les calmer. On m'a offert de prendre des trucs, dit-elle, mais elle a préféré refuser. Psychologiquement, c'est très difficile d'être dans ces conditions. Meja était dans la maison des secrets la même année que FX, le candidat qui s'était jeté sous une voiture en 2011. Elle se souvient qu'il était un garçon très isolé qui avait déjà des soucis avant sa participation au jeu de TF1. C'est un peu tard pour balancer, non? Elle était en 2009 et elle raconte ça en 2014. Elle sort un livre en ce moment même. Ah, bah voilà, fallait commencer par ça. Natacha Polony, toujours en colère contre Aymeric Caron après son passage dont on n'est pas couché samedi soir. Les retrouvailles entre les deux journalistes ont été tendues sur le plateau de Laurent Ruquier samedi soir. Aymeric Caron avait reproché à son ex-camarade sa pensée zémourienne. Hier soir, sur le plateau du Grand Journal, Natacha Polony est revenue sur l'incident. Antoine Decaune lui a demandé de rebondir sur une expression qu'elle avait employée samedi soir sur France 2. Elle n'a pas caché son énervement face aux accusations d'Aymeric Caron. Natacha, j'ai besoin d'un éclaircissement. Sodomiser les diptères? Je pense que vous avez très très bien compris. Pas du tout. C'est les mouches? Non, mais bon, après, en effet, la question, c'est... Je pense qu'il y a 2 pages du livre de Zemmour où il dit que la France est en crise, qu'il y a le chômage. Et j'ai dit aussi dans mon livre que la France était en crise et qu'il y avait du chômage. Donc je pense que dans un bon interrogatoire de police, je dois pouvoir passer pour zemmourienne et que la France se portera mieux quand on aura débusqué tous ceux qui se mettent à dévier petit à petit. Dont acte. Voilà, belle expression, en tout cas très chic. Hein, finalement, c'est bien par rapport à la réalité. Sodomiser. Les diptères, c'est ça? Oui, vous avez compris. C'est bah oui, j'ai compris, c'est pour ça, mais je trouvais que c'était très chic par rapport à l'expression originale. Faire un truc aux mouches, quoi, c'est ça. Mais quoi un truc, Julie? Expliquez-moi. Oh, vous savez, dans le grand direct de la santé, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon va accorder une interview à Closer. Indiscrétion révélée par Caroline Roux ce matin dans la matinale d'Europe 1. Le président du parti de gauche reconnaît lui-même qu'il s'agit d'une stratégie politique. Il veut s'adresser aux femmes, je cite, qui galèrent, qui partent tôt le matin dans les transports et qui rentrent tard le soir. Jean-Luc Mélenchon précise qu'il ne parlera pas de sa vie privée. Cette interview sera publiée dans le prochain numéro de Closer qui sortira à la fin de la semaine. Les antennes de France Info et France Inter perturbées par une alerte incendie. C'était hier après-midi, effectivement, un peu avant 15h30. Des alarmes incendies ont retenti dans les studios des deux radios. Déjà le 31 octobre dernier, la maison de la radio avait dû être évacuée après un incendie. Les antennes de toutes les stations avaient été coupées. Rebelote hier après-midi, mais cette fois il ne s'agissait que d'une alerte. France Inter a dû interrompre ses programmes pendant une dizaine de minutes. Et voilà ce qu'on a entendu sur France Info. Alors pour tout vous dire, ce que vous entendez, c'est une alarme incendie dans les studios de France Info. J'espère que l'histoire n'est pas en train de se répéter. Et théoriquement, cette alarme ne doit pas sonner dans le studio où nous nous trouvons. Mais bon voilà, j'espère que c'est pas très grave. En tout cas, promis, on vous tient au courant. Voilà, et puis des nouvelles de cette alarme incendie que vous avez entendue pendant quelques minutes en même temps que nous vous parlions sur France Info, et bien c'était une alerte, un essai, voilà, et visiblement ça fonctionne très très bien, et les choses viennent de rentrer dans l'ordre. Effectivement, nous on n'a pas d'alarme dans le studio, hein. L'alarme non, elle on sonne dans dehors. La rédaction à côté. C'est ça, mais... nous on reste et on brûle. C'est ça, exactement. En résumé, Kev Adams prépare un nouveau téléfilm dérivé de la série Soda sur M6. Et dans 15 jours, M6 diffusera en première partie de soirée le premier téléfilm de Kev Adams, Soda, un très long week-end, une version longue hein, de la série
qu'on connaît. Avant même les résultats d'audience, une suite a déjà été mise en chantier selon le magazine Écran Total. Ce nouveau 90 minutes est provisoirement intitulé Le rêve américain. Et puis une offre de reprise pour le magazine L'Express. D'après une information de BFM TV, le nouveau propriétaire de Libération, Patrick Drahi, associé à un autre homme d'affaires, se serait allié avec Le Figaro pour déposer une offre commune pour acheter l'hebdomadaire L'Express ainsi que les autres titres du même groupe comme L'Expansion, L'Étudiant, Point de vue, Mieux vivre votre argent ou Lire. Les différentes offres de reprise doivent être examinées d'ici janvier. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.